Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. Content de te retrouver cette nouvelle semaine qui a commencé. Et je vais te parler aujourd'hui, je vais te parler cette semaine de l'email marketing. Parce que c'est un nouveau projet personnel que je veux commencer. Je veux me mettre beaucoup plus au mail qu'aux vidéos. Pas que je vais arrêter totalement les vidéos, mais je vais moins faire de vidéos que d'emails. Donc bientôt, je vais t'expliquer tout ça, comment ça va se passer. Je vais t'expliquer comment tu vas recevoir mes mails, comment tu vas rentrer dans ma liste email. Mais je voudrais te parler un peu d'email marketing, de comment toi aussi tu pourrais te mettre à l'email marketing. Dans cette vidéo, je voudrais te parler de 10 raisons pour lesquelles l'email est mieux que la vidéo. Alors, je ne dis pas que la vidéo est morte, que YouTube est mort. Non, la vidéo a encore de beaux jours devant elle. Mais tout simplement, je vais te montrer qu'est-ce que l'email apporte en termes de web marketing, en termes de vente et que la vidéo, l'audio n'apporte pas forcément. Alors, ce que je vais te montrer dans cette semaine-ci, c'est comment encaisser de l'argent en envoyant des emails. Comment envoyer des emails et encaisser automatiquement des sous, de l'argent, des euros, du CFA, tout ce que tu veux. Et tu auras besoin, dans ce cas, d'une liste email. Tu auras besoin d'un autorépondeur, d'un catalogue de produits. Et tu auras besoin d'une audience que tu as déjà fédérée autour de toi. Alors, je vais te raconter une histoire pour commencer, une histoire qui m'est arrivée il y a de cela 3 mois, où j'étais un peu en voyage et j'avais vraiment rien. C'est-à-dire que mes prévisions financières étaient venues à terme. Je devais être un peu dans le rouge, moi et tout. Et comme tu sais que je suis trader, donc je ne voulais pas aussi mettre de l'argent dans mon compte, enfin prendre de l'argent dans mon compte de trading pour pouvoir faire, pour pouvoir vivre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé juste un mail. J'ai ramassé toutes mes formations. J'en ai fait un pack de formations et j'ai envoyé un seul mail à tous les abonnés. J'ai un peu plus de 2000, 3000 personnes dans ma liste email. Et j'ai envoyé juste aux 3000 personnes et j'ai fait un pack promo de formations. Et tu sais quoi, l'instant qui a suivi, pas l'instant, mais les 2 jours qui ont suivi, j'ai fait plus de 36 ventes. J'ai fait plus de 36 ventes pour un pack de promo à 59 euros. Et ça m'a permis de vivre, de continuer de vivre, de pouvoir passer tout mon séjour sans jamais avoir besoin de mettre la main dans mon compte de trading. Donc, c'est pour te montrer que l'email, parce que j'avais des soucis. En fait, est-ce qu'il faut créer un nouveau produit? Est-ce qu'il faut. Ça va demander beaucoup de temps, des recherches, un certain nombre de choses, filmer, mettre en ligne et tout, alors que j'ai des produits déjà propres, déjà prêts là. Donc, bien que toi aussi, tu es dans ce cas aujourd'hui et tu es confronté à des besoins, tu as des besoins financiers. Et tu as peut-être un boulot qui ne t'apporte pas aussi financièrement que tu l'aurais voulu, mais tu ne veux pas aussi démissionner parce que tu as passé du temps, des années à bâtir toute une carrière et tu ne veux pas quitter de ça du jour au lendemain. Peut-être que toi, tu es au chômage, que tu cherches du boulot et que tu n'es pas, ou peut-être que tout simplement, tu n'es pas quelqu'un d'expressif. Tu n'es pas quelqu'un d'extraverti, tu es plutôt quelqu'un d'introverti. Tu n'es pas à l'aise en vidéo ou à l'aise en audio. Peut-être que tu es un entrepreneur, il t'est fait du mois, sont difficiles, tu veux une deuxième source de revenus qui te permet finalement de t'en sortir dans tous les cas. Alors, tu as deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que tu crées une formation. Le deuxième cas de figure, c'est que tu envoies juste un mail. Créer une formation, ça nécessite quoi? Ça nécessite d'avoir des idées, ça nécessite de pouvoir faire des recherches, de pouvoir te filmer, de pouvoir faire le montage, de pouvoir faire la mise en ligne, de pouvoir faire la miniature. Il y a beaucoup de choses qui sont derrière le fait de créer une formation. Par contre, tu peux envoyer juste un mail avec un pack promo, un pack de formation de toutes tes formations, même si tu n'as pas de formation. Des formations d'autrui, d'une autre personne que tu trouves assez intéressant, tu peux envoyer tout simplement avec un pack promo. Et tu sais quoi? Tu vas encaisser de l'argent. Tu vas encaisser de l'argent. Les gens vont faire des achats. Tu vas faire des ventes. Il te faut
5 choses ou 6 pour pouvoir réussir dans l'email marketing. Premièrement, il te faut écrire des mails qui vendent. On appelle ça le copywriting. Écrire des mails qui vendent. Alors, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'apprendre à partir de zéro parce qu'il y a des marketeurs de génie qui ont déjà travaillé, des copywriters de génie qui ont déjà travaillé sur la chose, sur un certain nombre d'éléments qui te permettent de savoir quels sont les mots qu'il faut employer pour vendre, quels sont les tournures qui marchent, quels sont les éléments à mettre dans un mail qui vend et tout ça. Et aujourd'hui, il y a des marketeurs qui ont déjà fait ce travail-là pour toi. Et donc, il te faut avoir aussi une liste email. Je dirais au moins 1000 personnes dans ta liste email. 1000 personnes qualifiées dans ta liste email. Nous verrons par la suite comment est-ce qu'il faut l'avoir. Il te faut une page de capture d'email. On verra comment créer une page de capture irrésistible. Donc, il te faut une page de capture d'email. Il te faut avoir un auto-répondeur pour programmer les mails. Il te faut surtout avoir des produits à vendre. Et même si tu n'as pas de produits pour toi-même à vendre, nous verrons comment trouver des produits. Ça, c'est même pas de l'affiliation. Nous verrons comment trouver des produits que tu vas vendre et pouvoir encaisser de l'argent, des produits qui vont intéresser les gens. D'accord? Alors, dans cette vidéo, je voudrais juste aujourd'hui, juste motiver, juste partager 10 raisons, 10 avantages du mail contre la vidéo. 10 raisons pour lesquelles tu dois te mettre au mail maintenant, dès aujourd'hui, dès cette semaine-ci. Parce que moi aussi, c'est ce que je veux faire dans les semaines, mois à venir. Je vais me mettre au mail. J'ai pendant longtemps arrêté le mail. J'ai moins écrit à ma liste email un peu et tout. Maintenant, je veux me remettre à écrire. D'accord? Je veux vraiment me remettre à écrire. Donc, je voudrais partager avec toi 10 avantages que le mail a et que la vidéo n'a pas. Premièrement, tu n'as pas besoin de beaucoup d'expérience. Avec un peu d'expérience aujourd'hui, j'ai compris que le mail est plus rapide à rédiger. D'accord? Et que d'enregistrer un podcast ou une vidéo. Le mail est beaucoup plus rapide à rédiger. Beaucoup plus court. Pas de montage. Pas d'upload, pas de miniature à avoir, pas de description, etc., etc., et pas de commentaires à modérer, etc., etc. La deuxième chose, le deuxième avantage, c'est que tu peux rédiger ton mail de n'importe où, dans l'avion, dans le train, au restaurant, dans le métro, couché sur ton lit, dans ta chambre, d'accord, dans un avion, etc. Ça, c'est des choses que tu ne peux pas faire quand il s'agit d'une vidéo ou d'un podcast. D'accord? Et donc, c'est hyper important. Troisième avantage du mail, c'est que tu peux recycler tes mails dans plein de formats. Sur un blog, sur les réseaux sociaux et même dans un livre. C'est-à-dire que les mails que tu envoies, tu peux les recycler, tu peux les récupérer, d'accord? Sur ton blog, tu peux les mettre sur les réseaux sociaux, tu peux les mettre dans un livre. D'ailleurs, si tu as un projet d'écrire un livre, tu as un projet d'écriture de livre, envoyer un mail par jour est un excellent moyen de te préparer. D'accord? Cinquième avantage du mail, c'est que tu n'as pas de commentaires à gérer. Tu n'as pas de commentaires haineux, des pouces bleus, des pouces penchés, des pouces rouges, des strikes de YouTube. Tes mails t'appartiennent. Et à partir du moment où tes mails t'appartiennent, tu ne dépends d'aucune plateforme. Et donc, tu peux enfin être toi-même et écrire ce que tu penses et t'amuser. Tu sais, sur YouTube, tu peux pas dire ce que tu veux. Tu peux pas penser, parler de ce que tu veux. Donc, c'est beaucoup restrictif. Alors que dans ton mail, c'est ton mail, tu dis ce que tu veux dedans. Sixième avantage, c'est que personne ne fait ça actuellement. Personne ne fait de l'email marketing, comme je te le dis. Parce que tout le monde pense que le blogging, l'emailing est mort. Et tu seras probablement la seule newsletter que tes abonnés attendront chaque jour. D'accord? Et tu peux même essayer de devenir le meilleur, alors que devenir le meilleur YouTubeur, bonne chance. Il y a des milliers de personnes qui sont déjà hyper hype dedans. D'accord? Septième avantage, c'est que si tu n'es pas à l'aise à la vente, si tu n'es pas à l'aise avec la vente, l'écrit, le mail est un bon point de départ
parce que tu peux éviter, tu peux éditer des argumentaires de vente que tu veux, enlever des passages qui te sont trop agressifs. Si tu vas enlever par exemple en vidéo, il te faudra faire des coupures qui demandent beaucoup d'expertise et beaucoup de temps. D'accord? Et tu peux enlever des passages agressifs dans ton mail et ajouter une bonne idée juste avant d'envoyer ton mail. C'est extrêmement facile à modeler. D'accord? L'email est la plateforme logistique qui vend le plus. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui ouvrent un mail, je parle de les présenter, la plupart des gens sérieux qui ouvrent un mail ouvrent devant leur PC. Et ce sont des gens qui sont déjà prêts à sortir leur carte bleue, leur carte Visa pour faire le test, enfin pour pouvoir acheter. Tu peux juste faire le test et tu verras de quoi je parle. D'accord? Le neuvième avantage, c'est que l'email aujourd'hui est une nouvelle passion, un nouveau hobby. D'accord? C'est l'occasion pour toi de te lancer dans ce hobby-là. D'accord? D'apprendre le copywriting, de comment écrire pour vendre, de comment vendre avec les mots. Et il y a des tas de bouquins là-dessus qui peuvent t'aider. D'accord? Et la dernière chose, le dernier avantage, c'est que envoyer un email, c'est simple que d'envoyer, c'est plus simple que d'envoyer une vidéo, c'est plus simple que d'envoyer un audio. Ton principal problème, c'est de savoir faire, c'est de savoir ce que tu vas faire le reste de ta journée en fait. Si tu envoies le mail et tu ne commences pas à encaisser de l'argent, c'est de savoir ce que tu vas faire de tes journées. Et tiens-toi tranquille, ce que tu vas faire de tes journées, tu le sauras très vite, très vite. Alors, attention, ce que je dis, je ne dis pas, il faut que vous me compreniez bien, il faut que tu me comprennes assez bien. Je ne dis pas que la vidéo est morte. Je ne dis pas que YouTube est mort. Je ne dis pas que tout le monde devait passer à l'email. J'ai déjà cité le profil des personnes qui peuvent passer à l'email. Certains sont comme un poisson dans l'eau sur YouTube. Ils arrivent à décoder les règles, les codes de YouTube et ils percent en termes de centaines de milliers d'abonnés. Et c'est bien. C'est vraiment bien. Le problème, c'est que moi, par exemple, j'ai créé mon audience, j'ai un noyau dur de mon audience, je l'ai créé sur YouTube. Et je suis sûr que YouTube est là pour durer pendant un bon moment. Là, je te parle de tous les autres qui ne sont pas bons en vidéo, bons sur YouTube, bons en audio. Les laisser pour compte de YouTube. Ceux qui ne sont pas à l'aise en vidéo, et ceux qui préfèrent travailler tranquillement derrière leur écran sans montrer leur tête, sans se montrer, sans savoir, sans se mettre à nu, d'accord, et tout. Et je veux simplement dire à ceux-là qu'il y a une alternative. L'alternative aujourd'hui, l'alternative, c'est l'alternative qui marche. L'alternative aujourd'hui, c'est l'email. L'email n'est pas mort. Et j'ai été le premier à être surpris quand j'avais démarré en envoyant un email par jour. Et je te donne la méthode complète dans une formation que j'ai préparée pour toi cette semaine-ci. La formation, c'est gagner de l'argent en envoyant un email par jour. Gagner de l'argent en envoyant un email par jour. Je vais te montrer tout ce qu'on fera, tout ce qu'on verra dans cette formation. D'accord? Voilà, je vais te donner un peu le programme. Nous allons voir la méthode infaillible pour avoir tes premiers inscrits d'ici tes 1000 premiers inscrits dès la fin de cette semaine. Donc, d'ici la fin de cette semaine, tu pourras avoir 1000 inscrits dans ta liste email d'ici la fin de cette semaine. Nous allons voir comment s'infiltrer dans les communautés des autres et siphonner leurs membres sans même qu'ils s'en rendent compte. Donc, un moyen pour avoir beaucoup plus d'emails. Nous verrons comment créer des emails que les gens veulent partager à tous leurs amis. Comment écrire des emails que les gens veulent partager à tous leurs amis. Comment référencer tes mails sur Google et détourner Amazon. Comment transformer Instagram en une machine à inscrire. En une machine à s'inscrire dans ta liste email. Comment automatiser Facebook pour qu'il t'envoie des inscrits sans dépenser un seul centime. Nous verrons deux façons de faire de la publicité Facebook sans devoir sans devoir prendre sa grande mère, c'est-à-dire que sans devoir exagérer, quoi. D'accord? Et sans y passer tout ton week-end. Nous verrons la méthode simple pour transformer n'importe quel contenu
un générateur d'adresse email. Nous verrons les gros appâts qui attirent les inscrits pour qu'ils s'inscrivent dans ta liste email. Nous verrons la méthode parasite pour profiter de l'audience des gros youtubeurs, des gros dans ta thématique. Nous verrons comment l'affaire Benalla et les autres peuvent faire parler de toi, de ces gens d'affaires qui ont fait du buzz. D'accord? Nous verrons comment un des gros concurrents dans ma thématique a parlé de moi, m'a fait de la pub gratuitement pendant une semaine et je vais te dire ce que j'ai fait pour qu'il le fasse. Je vais te montrer un truc tout bête auquel personne n'a jamais pensé et qui va vendre le gros de ta thématique, qui va rendre le gros de ta thématique fou de toi, c'est-à-dire qui va rendre les gros, c'est-à-dire les leaders de ta thématique assez fou de toi. D'accord? Et en bonus, tu auras tout un mind map à télécharger, un plan complet de la formation, un recap de toutes les techniques. Alors, c'est tout ce qu'on fait, c'est ce qu'on verra dans cette formation. Donc, si toi aujourd'hui, tu aimes écrire, tu as l'art d'écrire, tu es passionné par l'écrit, tu peux aujourd'hui commencer par envoyer des mails et gagner de l'argent. Je te conseille une chose, tu as deux options. La première option, c'est de suivre cette vidéo et de t'arrêter là, tu ne jamais passer à l'action. La deuxième vidéo, c'est de tester ma technique que je te propose et de voir si ça marche pour toi. C'est une technique que j'ai utilisée à mes débuts en 2016, début 2016, quand j'ai commencé par envoyer des mails et que je vais utiliser bientôt. Ce sont des anciennes techniques que j'ai recyclées et j'ai ajouté d'autres techniques pour pouvoir me lancer, pour pouvoir démarrer quand je vais me lancer. Donc, si toi, c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux t'y mettre, je te conseille une chose. Clique sur le lien en bas de la vidéo et tu vas tomber dans un groupe WhatsApp et tu pourras poser toutes tes questions. La formation est actuellement à un prix promotionnel. Jusqu'à la fin de la semaine, tu viens en inbox, tu auras le prix promotionnel et tu pourras te préparer pour. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Dans la vidéo prochaine, nous parlerons des 7 erreurs à ne pas commettre lorsque tu veux vendre. Des 7 erreurs que les gens commettent le plus lorsqu'ils veulent vendre par mail. Et nous allons voir dans la troisième vidéo, un peu vers la fin de la semaine, un plan détaillé de mail que tu peux envoyer, que tu dois envoyer sur un mois pour vendre ton premier produit. Un plan sur un mois de mail, le type de mail avec contenu que tu vas envoyer chaque semaine pour vendre ton premier produit. D'accord? Voilà, n'oublie pas que la formation est toujours très promotionnelle jusqu'à la fin de la semaine, donc jusqu'au vendredi. Moi, je te donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Salut! Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. L'enfant de Dieu ne peut jamais jouer. Saga Junior. Yo le le, ma vie a changé. Yo le le, et aujourd'hui j'ai triomphé. Yo le le, ma vie a changé. Yo le le, et aujourd'hui j'ai triomphé. Autre Mathieu Fignon. La victoire.